C'est bon, la tomate. J'ai. Non, attends. Réfléchis. Lucie, t'es loin, j'ai une idée. Oui, attends, t'écoutes. Ouais, alors, j'en ai... La rouge. Ouh, bleu. Yeah. Alors, vous avez des petits cartons. Normalement, rouge et bleu. C'est excellent, la rouge. Ça, oui, voilà. Hein, vous avez des petits cartons. Alors, c'est le public qui va choisir. Excellent! Ouais, Fais-toi, alors Fais-toi, ça sera rouge! Entrez chez la biche! Vous êtes tous les bienvenus! Silence! Entrez chez la biche! Vous êtes tous les bienvenus! Mon Eliotrope! Ah. Je vous présente mon Eliotrope. Voilà. Est-ce vrai ce que ma tante m'a dit? Pourquoi donc? Oh, mais qu'un nouveau prétendu était arrivé hier au soir de Paris. Hélas, oui. Hélas, oui, on m'avait promis le carillonneur de bruges pour piano, mais on m'a amené un autre objet, beaucoup plus lourd. Comment, un autre objet? Attends, ma fille, nous sommes seuls. Oui. Tu peux me parler franchement? Est-ce donc bien vrai que tu veux te marier? Oh, dame, papa! Est-ce donc bien vrai que tu veux quitter ton petit pépé? Oh, écoute, donc j'ai 24 ans! Oh, et si ta tante en a bien 49? Oh, oui, mais moi, je ne veux pas rester vieille fille comme ma tante! Avez-vous vu le prétendu? Oh, quel âge a-t-il? Je ne sais pas, je n'ai pas regardé ses dents. Ses dents? Vous le comparez à un cheval? Oh, des noblottes, des auvergnats, des hommes d'argent. Le dernier monsieur de Glissandville ne trouvait pas la dot assez forte. Mais c'est faux! C'est faux! Mais je vous jure! Je vous ai entendu par la fenêtre du salon. Elle vous a entendu par la fenêtre du salon? Oui. Ah. Monsieur de Glissandville vous offrait d'épouser Ismeni sans dot. Comment? Et vous lui avez répondu qu'il déplaisait à votre fille. Ah, passez. Oh, par exemple. Eh bien, monsieur. Quoi donc? Eh bien, un bonnet de coton, fille. Moi? Mais je ne porte que des madras. Oh, c'est pas où elles sont les malhonnêtes. Je les ai mis dans la voiture. On n'a pas la voiture. La quintessence porte ailleurs ta présence. Ah, ça, cher beau-père, une visite? N'oubliez pas qu'à midi, nous devons aller à la mairie pour les publications. Mais certainement, je vais jusqu'à vous. Au moins, maintenant. Voulez-vous m'accompagner, monsieur Garadoux? Volontiers, mademoiselle, où allons-nous? Arroser mes fleurs. Oui, c'est que froidement. Oui.
Oh, le soleil est bien ardent. En raison de plus, mes corbeilles meurent de sécheresse. Allons, venez. Oui. J'espère qu'il va encore se casser un ongle. On a l'idée de rencontrer ce père qui sait que j'aime sa fille. Ah oui, je l'aime. Depuis ce soir-là, j'ai cassé un verre. Je viens tous les jours au château pour faire ma demande. J'arrive par le convoi de midi, je n'ose entrer et je repars par celui d'une heure. Oh, si cela devait continuer, je prendrais un amendement en chemin de fer.